On s'est mariés après 5 ans de vie commune. Enfin, leur travail nous a vraiment tapé dans l'œil dès le début, en fait. On n'a pas... Il n'y a pas eu d'hésitation. Tout de suite, quand on a vu leur travail, quand on les a vus, on les a rencontrés, on s'est dit tout de suite, bah, c'est avec eux qu'on va travailler. Quoi. Quand on a vu les albums, ce que ça rendait, on s'est ouais, dit... Ouais, le travail de la photo, enfin non, donc ça a été le coup de cœur, en fait. Pour moi, ça représente ce qui va rester, finalement. Après, tout ce qui est photo de couple, là, c'est pareil, c'est vraiment un moment qu'on a apprécié parce qu'il sait déjà nous mettre en confiance. Et puis après, c'est vrai qu'au niveau des photos, on a des belles photos comme on peut pas avoir d'habitude. Et ça permet de se remaquiller, de se recoiffer, de remettre la robe une deuxième fois, alors comme des fois on cherche. Ça permet de prolonger un jour de plus le mariage. Parce que nous aussi, comme on n'est pas habitué à la photo, on se dit est-ce que ça va rendre aussi bien avec nous, est-ce que... Et même nous, se positionner par rapport à l'objectif, faut vraiment se... Enfin voilà, ça renforce, ça fait une expérience à deux encore. Il nous a bien cerné parce que bon, on se rencontre déjà avant, donc on peut discuter. Donc il nous connaît déjà un petit peu, enfin il voit comment on est. Et c'est vrai qu'après dans son travail, comme il a cerné nos personnalités sur des rendez-vous avant, tout de suite il sait ce qui peut nous plaire, ce qui peut ne pas nous plaire. C'est vraiment ce qui nous correspond en fait. Quoi. Au niveau de l'album. Comment sont agencées les photos, comment c'est dans l'ordre dans lequel c'est mis, même si c'est plus ou moins chronologique. Enfin, on s'y retrouve vraiment et on voit même les différentes ambiances entre la mairie et l'église qui sont plutôt solennelles et par exemple le vin d'honneur où c'est un peu plus... voilà, on souffle, ça y est, c'est fait. Et puis où justement on retrouve toute la famille, on a plus le temps de parler. Enfin, même dans les photos, tout ça, on le retrouve. Heureusement qu'il est là pour nous guider parce que de gérer en plus les photos de tout le reste, heureusement qu'il est là pour nous soutenir, pour dire, enfin il y a plusieurs fois moi je lui ai demandé ça va, on a ce qu'il faut, on s'imagine pas ce que c'est, puis lui tout de suite il nous dit bah voilà je vais faire ça, je vais pas vous prendre au moment où vous avez tous les bigoudis ou machin. Sur le jour du mariage il nous accompagne, si nous on a des idées, par exemple pour les photos de famille on avait fait une liste avant, savoir avec qui on voulait prendre les photos, faire les groupes, ce qui fait qu'on perd pas de temps, qu'on a le temps de faire toutes ces photos et qu'on a les photos qu'on veut à la fin. Il est proche des gens, si vous voulez. Donc nous, il nous a mis à l'aise, on a pu discuter, c'est vrai, comme si on se connaissait depuis plusieurs années, en fait. On n'a plus l'image du photographe professionnel qui est là pour vous diriger, vous faire prendre des poses ou quoi que ce soit. Ça devient naturel, en fait. Et le résultat final est vraiment sympa, quoi. Pour un peu illustrer, les autres photographes, a priori, la photo type, c'est devant le papillon du Jardin des Plantes. C'est ça, il ne veut pas en entendre parler. Et c'est vrai qu'il nous l'a dit tout de suite et ça marque tout de suite le ton. Enfin, il ne veut pas faire comme tout le monde. Et puis même lui, il n'a pas la même sensibilité. Enfin, ça serait vraiment vu à travers les photos, mais aussi à travers le travail de l'album, de la mise en page. Enfin, ils sont vraiment complémentaires tous les deux. Et le résultat, à la fin, on se dit, mais comment c'est possible qu'avec nous, à la fin, ça donne ça. S'ils ne s'impliquaient pas comme ils le font, tous les deux, on n'aurait pas ce résultat-là. Ils arrivent vraiment, avec chaque couple, à trouver... la sensibilité qu'il faut, c'est vraiment un travail complètement complémentaire entre eux. Définir son métier, c'est savoir, savoir mettre les gens en valeur, mais pas seulement sur la photo. Je sais qu'on les remercie vraiment pour leur travail, parce que le résultat, je dirais, il est au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Je pense que de toute façon, on n'ira même pas voir ailleurs. Je pense qu'on a trouvé avec eux ce que nous on recherchait. Ils sont vraiment au top. I think I love every single little crack on your face.